Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour cette heure que nous allons passer ensemble avec encore une fois un cocktail très riche puisque nous parlerons détente, initiative, solidarité et puis bien sûr information sur le Covid-19. Du côté de la musique par exemple, vous le verrez, ça va mixer avec Patrick Legac tout à l'heure. Nous recevrons également un très grand auteur de science-fiction français, Alain Damasio, pour ne pas le citer. Nous parlerons également d'un challenge un peu fou d'un Bordelais, un coach sportif qui va réaliser demain 1000 tractions en un peu plus de 2 heures. Elle nous dira pourquoi tout à l'heure. Nous parlerons également de la plateforme mise en place par Sud-Ouest, course contre la montre, avec la découverte d'un agriculteur qui participe à cette plateforme. On va le retrouver tout à l'heure au milieu de son troupeau, en pleine forêt, du côté de la Double en Dordogne. Et vous verrez pourquoi cette plateforme est importante pour lui. Un moment également attendu, j'imagine, pour pas mal de parents qui commencent pour certains à trouver la situation difficile avec plusieurs enfants peut-être à supporter, entre guillemets. Et bien justement, sachez qu'il y a là aussi une page Facebook qui a été ouverte pour aider ces parents, dont certains sont en burn-out. Quelques conseils pour mieux supporter la situation, ce sera tout à l'heure avec une spécialiste. Nous parlerons également de la situation des plus défavorisés face à cette situation donc de Covid-19. Et puis aujourd'hui, il a aussi beaucoup été question de masques, puisque le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que la question donc du port obligatoire du masque restait ouverte. En revanche, Édouard Philippe, lui, devant l'Assemblée nationale, a estimé que les questions sur le déconfinement sont très prématurées. Voilà. Et sachez justement que Emmanuel Macron s'adressera aux Français. Ce sera jeudi soir, peut-être pour faire un point concernant donc ce fameux déconfinement. Les masques, c'est très polémique. Depuis quelques jours, eh bien, l'annonce est tombée tout à l'heure, puisque depuis aujourd'hui, la mairie de Bordeaux a une mission, avoir des masques pour chaque Bordelais. Fabien Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjoint au maire. Donc ça y est, du côté de la mairie de Bordeaux, la décision est prise. Les masques, il va falloir en porter. Et vous vous faites fort de pouvoir en distribuer à tous les Bordelais. C'est la mission. Oui, en effet, c'est l'objectif. On comprend tous qu'on ne sortira pas du confinement d'un claquement de doigts du jour au lendemain et avec des conditions de vie normales. Il apparaît comme du bon sens que le masque barrière, donc pas le masque médical, mais le tissu fabriqué d'une certaine manière, évidemment, devant le visage, nous protège et protège les autres. Donc il fallait anticiper, et effectivement, avec quelques villes de France, nous sommes aujourd'hui en contact avec des fabricants pour avoir des masques en tissu lavables et pouvoir doter la population de cet outil. Ça ne sera pas la seule manière, hein. Nous allons certes en commander, mais nous allons aussi, avec les entreprises du territoire, les associations, en fabriquer. Et puis nous allons aussi simplifier la manière de le fabriquer pour que celles et ceux qui veulent fabriquer leur propre masque puissent le faire. C'est un plan d'ensemble qui doit nous amener à doter toute la métropole. 800 000 masques barrières, c'est énorme. Quand est-ce que vous pensez les avoir et comment ça va être distribué? Alors, évidemment, comme la date du déconfinement n'est pas connue, il est difficile de vous dire quand nous les aurons. En tout cas, nous voulons les avoir quand le déconfinement sera prononcé. Il sera sans doute progressif, ce déconfinement, comme sans doute la livraison des masques. Il y aura des publics prioritaires, celles et ceux qui vont travailler, qui sont en première ligne. Donc c'est tout ce schéma qu'on est en train d'organiser, je serais tenté de dire avec un peu d'avance cette fois, parce qu'il ne s'agit pas d'une mesure pendant le confinement, mais une mesure pour plus tard. En tout cas, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir, à l'échelle de la métropole, mais aussi du département. On a eu des échanges aujourd'hui avec le maire de Libourne qui a fait, il y a quelques minutes, la même annonce. Bref, nous voulons aller vers un plan d'ensemble pour que la population soit dotée d'un élément qui, par ailleurs, est un élément courant, notamment dans un certain nombre de pays d'Asie. Hein. On le voit à la télévision, un certain nombre d'autres pays sont habitués à s'équiper en cas de maladie pour éviter de se contaminer les uns les autres. Voilà, donc en pleine polémique, la mairie de Bordeaux a tranché, des masques, il en faut. Est-ce que ça veut dire que c'est le premier pas avant de rendre ce masque peut-être obligatoire, comme ça a déjà été fait dans d'autres villes de France, à Nice par exemple? Nous, on ne veut pas être ni dans la polémique, ni dans l'excès. Le bon sens, c'est de dire que le masque protège et protège les autres.
Déjà, commençons par trouver ces 800 000 masques, distribuons-les et je crois que le bon sens fera le reste. Tout le monde a bien compris que ce qui se passait autour de nous était grave et qu'on avait sans doute besoin de porter des masques d'abord pour se protéger. Donc on n'en est pas aujourd'hui à penser l'obligation, mais si on se rend compte que le port du masque est recommandé, n'est pas respecté, on pourra se reposer la question. Mais aujourd'hui, l'heure n'est ni à la polémique, ni à l'obligation, l'heure est à l'organisation pour trouver ces masques. Merci beaucoup Fabien Robert. Donc on rappelle Merci. l'information qui a été annoncée aujourd'hui par la mairie de Bordeaux avec cette volonté de procurer des masques à tous les Bordelais, avec la mairie de Bordeaux qui a l'intention donc de commander quelques 800 000 masques barrières donc dans les jours ou les semaines qui viennent. Et puis justement, tiens, du masque, il en a aussi été question hier lors du point de situation fait par Jean-Luc Glaize, le président du conseil départemental. Notamment, d'abord, il a été question de l'aide aux plus défavorisés. Le département va déployer des bons alimentaires pour répondre aux situations d'urgence. Nous verrons lesquels dans un instant avec le secrétaire départemental du Secours populaire. Donc, il y a également l'initiative de voir la cuisine centrale du collège Édouard Vaillant qui va préparer quelques 300 repas distribués aux 100 domiciles fixes. Et donc, le département, je vous le disais, a fait de son côté une commande de plus d'1,5 million de masques chirurgicaux en 3 commandes différentes, mais là, pas pour la population, puisque ces masques seront mis à disposition notamment des aides à domicile, du personnel des EHPAD ou encore des pompiers. Le département estime son besoin en masques à raison de 200 000 masques donc par semaine. C'est ce que Jean-Luc Glaize a expliqué à Franck Poirot, qui a pu le joindre par Skype. Disons que nous intervenons, pour le dire d'une façon différente, en complémentarité avec l'État. Effectivement, normalement, il revient à l'État d'assurer la fourniture et la distribution des masques à l'attention de toutes les professions qui sont en contact physique avec le public et qui en ont donc besoin. Or, comme il y a pénurie de masques, l'État cible plutôt les masques vers les personnels soignants, la médecine de ville, les hospitaliers, les infirmiers libéraux, ce qui est tout à fait légitime au regard de leur engagement sur le terrain. Mais pour nous, il y a des professionnels qui travaillent en lien avec les politiques départementales et qui en sont dépourvus si nous ne prenons pas la décision de commander ces masques. Ce sont les services d'aide à domicile, les personnels qui travaillent dans les structures pour personnes handicapées, les assistantes maternelles, les EHPAD, les pompiers, donc toutes ces professions-là, eh bien, nous estimons qu'elles ne peuvent pas rester sans masque. Donc j'ai pris la décision de commander effectivement 1,6 million de masques pour faire en sorte de les doter et de doter aussi les communes pour 500 000 de ces masques, parce que les communes en ont besoin aussi, soit parce qu'elles gèrent des RPA par exemple, ou parce que vous avez des centres intercommunaux d'action sociale qui gèrent des services d'aide à domicile. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Mais nous nous substituons d'une certaine manière, en tout cas nous essayons de compléter ce que l'État ne fait pas. Entre la pénurie mondiale sur ces équipements et les problèmes de logistique pour les faire venir de Chine, est-ce que vous avez livré une véritable bataille pour mettre la main sur ces masques? Alors c'est encore effectivement une bataille puisque nous en avons une toute petite partie qui est arrivée pour l'instant. J'ai écrit au Premier ministre pour lui demander d'intégrer les ponts aériens gouvernementaux de manière à ce que nous puissions garantir une livraison, je l'espère, la plus rapide possible. A priori, 100 000 vont arriver, je pense, mercredi ou jeudi, ou d'ici la fin de semaine en tout cas, et 900 000 devraient arriver normalement début de semaine prochaine. Mais c'est effectivement très compliqué parce qu'il faut commander ces masques en Chine et donc trouver des distributeurs sérieux, donc faire du repérage au préalable pour pouvoir avoir la garantie que le nombre de masques et que leur qualité seront au rendez-vous lorsque nous en aurons besoin, et nous en avons déjà besoin. Le département est en charge des politiques de solidarité dans cette crise du Covid. Est-ce que certains équipements départementaux vont servir à apporter une aide aux publics les plus fragiles, notamment les sans domicile fixe? Je crois qu'il est question de leur ouvrir les gymnases, des collèges, mais aussi de réactiver la cuisine centrale du collège Édouard Vaillant à Bordeaux pour leur élaborer des repas.
Alors, les gymnases, c'est une proposition aujourd'hui, donc nous sommes en train de voir comment le monter, le matérialiser via des associations qui réalisent des maraudes sur Bordeaux. Et pour Édouard Vaillant, ça y est, donc c'est opérationnel, puisque initialement, nous avions des attentes émises par le CROUS et puis un EHPAD sur Bègles pour fournir des repas. Donc, nous étions sur un collège qui est sur Bordeaux, donc sur la métropole, et nous étions dit que nous pouvions, puisqu'il y a une cuisine centrale à cet endroit, et qu'il y a aussi et surtout, et j'insiste là-dessus, une équipe volontaire qui est d'accord pour élaborer les repas, et bien j'avais proposé que nous puissions élaborer des repas pour le CROUS et cet EHPAD. En fait, depuis, le CROUS et l'EHPAD apparemment ont trouvé d'autres solutions. En revanche, il y a des associations alimentaires qui cherchent des repas justement pour des SDF. Et donc, à partir de ce soir, nous fournirons 300 repas effectivement pour les sans-domicile fixe de manière à faire en sorte qu'ils puissent avoir des conditions alimentaires correctes. Pour votre collectivité, cette crise représente une perte de 1,5 million d'euros par jour rien que sur le manque à gagner des droits de mutation, soit près de 120 millions d'euros d'ici l'été si les choses ne s'arrangent pas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet pour le devenir du service public local ? Oui, je pense qu'il y a une vraie inquiétude à avoir, d'abord au niveau national, parce qu'on voit bien les coûts que va représenter cette crise sanitaire. Il y a évidemment un souci à avoir au niveau des collectivités. Le département va être impacté donc avec ses baisses de recettes, mais la région le sera aussi, les communautés de communes également et les communes par ricochet. Donc je pense que dans les sujets que nous aurons à traiter, parce que nous devons imaginer un monde de demain qui soit différent de celui que nous avions avant. Et je dis bien nous devons. Ça n'est pas simplement se dire il y aura un monde après. Oui, il y en aura un, mais encore faut-il qu'il soit conforme à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous voyons à quel point cette crise nous a mis en difficulté à partir d'un petit virus. C'est une panique planétaire et puis tous ces décès, toutes ces personnes qui sont touchées par le virus, c'est catastrophique. Il y a évidemment des conséquences économiques qui vont être importantes. Derrière, des conséquences sociales aussi, mais il y aura des conséquences également sur le service public. Parce que si nous n'avons plus les moyens pour tenir nos services publics, eh bien forcément, ils seront largement en deçà de ce qui est nécessaire. Et on voit bien, dans cette période difficile, que trois valeurs fondamentales sont appelées et attendues par nos concitoyens. Un, la proximité, être proche, être à l'écoute, mettre aussi en circuit court et en fonctionnement plus local. C'est la solidarité, comment toutes ces chaînes de solidarité se créent, comment le département, qui est porteur lui-même des solidarités humaines et territoriales, arrive à mettre en œuvre cette solidarité-là. Et puis le service public, parce qu'encore une fois, eh bien, le milieu hospitalier, c'est lui qui répond en premier en matière de service public. Mais tous les services que j'ai cités tout à l'heure, ce sont aussi des services publics. Et donc, ce sont tous ceux-là qui font en sorte que nous puissions continuer à vivre au mieux. Il y a évidemment aussi de l'activité économique à côté qui est nécessaire, mais les services publics sont absolument fondamentaux. Donc je pense qu'il faudra demain tirer enseignement très vite de ce que nous avons vécu et surtout de ces démarches positives pour faire en sorte de construire le monde de demain qui ne devra pas de toute façon être comme celui d'hier. On ne peut pas imaginer, encore une fois, avoir des masques fabriqués en Chine et se trouver en difficulté lorsqu'on a une crise. Il faut impérativement que les productions soient relocalisées. Il faut aussi qu'elles soient respectueuses de l'environnement et moins il y aura de trajets, mieux ce sera également. Bref, il faut qu'un certain nombre de valeurs fondamentales, réclamées notamment par les nouvelles générations, soient impérativement appliquées et mises en œuvre pour créer le monde de l'après-Covid. Voilà, donc le monde de l'après-Covid, un monde, vous l'avez compris, à écrire et à imaginer sur les bases de ce que l'on vit aujourd'hui. Cela dit, vous l'avez entendu aussi, hein, le département en charge les personnes les plus défavorisées. C'est le cas également du Secours populaire qui fait ce travail habituellement, mais qui se retrouve dans une situation bien évidemment très différente avec cette situation de confinement. Les appels aux dons sont toujours lancés par le Secours populaire. D'ailleurs, des dons qui changent un petit peu de nature. Pour en faire le point sur la situation dans le département de la Gironde, j'ai joint tout à l'heure Alain Haneuse, c'est le secrétaire départemental du Secours populaire. Vous allez l'entendre, les personnes défavorisées ont plus que jamais besoin d'aide. Alain Haneuse, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que, bien évidemment, pour le Secours populaire, cette situation actuelle est tout à fait particulière. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos actions ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un portrait de la Gironde dont vous vous occupez habituellement ? Oui.
Alors, je dirais peut-être en introduction que notre devise « Tout ce qui est humain est nôtre » a pris tout son sens aujourd'hui dans cette période, et puis que la vocation généraliste de notre association est encore pleine et entière, encore plus aujourd'hui. La situation sur le département de la Gironde, il y a eu une très grande mobilisation des bénévoles et des salariés de l'ensemble des comités de la Fédération de la Gironde. Nous avons eu pas mal de renforts de bénévoles dans les premières semaines, et qu'ils soient ici en tout cas tous remerciés. Nous avons organisé le bénévolat de différentes manières. Nous avons bien évidemment des bénévoles qui sont confinés chez eux et pour lesquels un télétravail a pu être organisé. Ils se sont chargés de l'organisation, de la distribution, de la logistique, du recensement des besoins, etc. etc. Et puis d'autres, bien évidemment, se sont retrouvés dans nos permanences d'accueil de solidarité. Nous avons eu quelques difficultés au début parce qu'il a fallu mettre en route très très rapidement la solidarité, mais aujourd'hui nous en sommes à la tenue pleine et entière de toutes nos permanences d'accueil et de solidarité dans les 33 comités et antennes. Et ça fonctionne correctement pour l'instant. Donc, j'avais dit que pendant, effectivement, malgré le confinement, vous continuez à pouvoir aider les personnes qui faisaient appel à vous jusqu'à présent. Alors, les personnes qui faisaient appel à nous, effectivement, avec l'émergence de nouveaux besoins, effectivement, les familles sont également confinées. Les nouveaux besoins, notamment des familles avec enfants, il y a un repas supplémentaire à assurer parce que les enfants qui étaient scolarisés, ils avaient un repas complet à la cantine. Mais aussi, il faut passer ce confinement. Le confinement, c'est le travail à la maison, le travail scolaire, pour lesquels les familles ne sont pas forcément habituées et compétentes. Et il y faut aussi passer le temps. Donc, nous offrons dans nos distributions, à côté, bien évidemment, de l'aide essentielle, l'aide alimentaire, nous proposons également des livres, des jouets, etc. Nous avons diversifié aussi nos besoins, enfin notre solidarité. Nous avons mis en place des lignes téléphoniques et des appels réguliers à ces personnes. Nous faisons aussi, nous avons adapté nos distributions alimentaires plutôt sous forme de colis en respectant les barrières sanitaires indispensables, mais nous avons aussi pu, avec l'aide d'une grande solidarité de bénévoles, mais peut-être qu'on y reviendra après, nous avons pu assurer des livraisons de repas à domicile. Voilà, donc pour l'instant, nous dirions que tout fonctionne, tout en sachant qu'il y a l'émergence de nouvelles problématiques que l'on ne soupçonnait pas effectivement auparavant. Comme quoi, par exemple, quel type de problématiques, oui. Qu'est-ce que vous voyez émerger? Alors, nous avons eu plus de 50% dans une de nos permanences d'accueil de personnes nouvelles. Les nouvelles problématiques que nous avons, ce sont des familles qui, initialement, ne venaient pas au Secours populaire pour l'alimentation, mais ils étaient au niveau budgétaire difficiles, à limite, et maintenant, ils font appel à nos services. Nous sommes alertés par la situation des étudiants qui sont confinés dans les structures universitaires. Ils avaient des petits boulots pour pouvoir avoir des ressources et s'alimenter. Ils ne le peuvent plus. Et en plus, les conditions de confinement sont extrêmement difficiles. Nous avons, par exemple, aussi en province, dans les zones rurales, des personnes, les chèques d'aide ne pouvaient pas être encaissés parce qu'effectivement les trésoreries étaient fermées. Maintenant, le problème est réglé. Et puis aussi, on a des besoins nouveaux, comme la nécessité de garder un lien social avec toutes ces personnes et notamment de la mise en place d'appels téléphoniques réguliers pour maintenir avec elles cette aide et cette présence, surtout une présence humaine. J'imagine que vous avez, dans ces cas-là, affaire à des personnes angoissées, en détresse, en très, très grande difficulté. Oui, absolument. Nous avons, et les personnes viennent chercher à la fois des renseignements, par exemple des renseignements administratifs, où est-ce qu'on peut se procurer l'attestation pour circuler.
Nous avons édité plusieurs autorisations de dérogatoires de déplacement. Nous avons aussi des personnes qui sont extrêmement inquiètes sur le virus et il y a une information qui leur est donnée. Nous avons récupéré dans plusieurs langues des documents avec des pictogrammes pour essayer de leur expliquer. Nous jouons un rôle de soutien, on dirait indirect, à nos personnels soignants en essayant de passer les messages de prévention auprès de ces personnes. Ce qui n'est pas chose facile, d'autant plus quand on vit dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Nous avons pas mal de familles qui habitent à plusieurs dans un appartement et puis nous avons aussi la situation dans les squats où là, effectivement, la situation est dramatique et risque d'être dramatique pour la suite. Voilà, donc par rapport au squat, excusez-moi de vous couper, mais par rapport au squat, qu'est-ce qui est difficile? C'est le fait qu'il y aurait des malades ou potentiellement malades qui ne sont pas détectés, qui sortent des radars et qui pourraient, c'est ça? Non, je n'ai pas connaissance de ça, mais on pourrait dire que les mesures de confinement sont extrêmement difficiles dans ces lieux, qu'il y a énormément de personnes. Nous avons réussi néanmoins avec d'autres associations à maintenir l'alimentation par des portages notamment de repas ou de colis. Les familles se déplacent maintenant plutôt vers nos permanences d'accueil de solidarité pour récupérer des colis pour une quinzaine de jours à peu près. Le risque là, c'est que nous ne savons pas particulièrement l'état de santé. Je crois qu'il y a d'autres associations comme Médecins du Monde qui certainement sont beaucoup plus à même de répondre à cette question. Dernière question, est-ce qu'il y a un moyen pour tout un chacun d'aider vos actions? Donc on l'a dit au niveau des bénévoles, vous arrivez à fonctionner avec ce que vous avez jusqu'à présent avec vous, mais il y a peut-être d'autres façons de vous aider, notamment avec des dons financiers? Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne le besoin de bénévoles, nos bénévoles et tous ceux qui se sont manifestés auprès de nous, tout dépend combien de temps va durer cette période-là, mais on va essayer d'organiser des rotations. Donc notre besoin de bénévoles aujourd'hui ne sera peut-être pas, sera peut-être très utile par la suite. Ensuite, je dirais que dans cette journée qui est la journée mondiale de la santé, il va falloir que ça soit tous les jours la journée mondiale de la santé. Je dirais que la pauvreté nuit gravement à la santé, pour reprendre ce slogan. Nous avons besoin aujourd'hui de produits d'hygiène. Des gels douches, du shampoing, des services pour constituer des kits. Nous avons besoin aussi d'aide dans un rôle de prévention vis-à-vis des personnes que nous aidons. Nous avons besoin d'un camion frigorifique pour le transport de produits frais et nous avons surtout besoin, les ramasses que nous avons habituellement ne donnent plus ce qu'elles pourraient parce que les grandes surfaces vendent. Donc nous avons besoin surtout aussi de produits frais. Et puis bien évidemment des besoins financiers pour continuer notre aide alimentaire. Une petite parenthèse, je crois que notre combat pour la défense de l'aide alimentaire européenne est encore aujourd'hui plus nécessaire. Il est nécessaire que, puisque nous, pour l'instant, nous prenons dans nos stocks et nos réserves de fonds alimentaires européens, il est indispensable que cette aide du FEAD soit maintenue pour les jours suivants. Et nous avons besoin d'argent parce que toutes nos actions, le secours populaire, ne fonctionne que sur ses ressources propres. Et nous avons des besoins à venir. Nous commençons à envisager un peu l'avenir et notamment tout ce qui sera nécessaire pour le maintien de nos campagnes. Et je pense par exemple aux campagnes vacances. Qui vont se présenter dès le mois de juillet, nous espérons, et pour lequel on a d'énormes besoins, à la fois d'idées, mais aussi surtout des besoins financiers. Donc vous l'avez vu, hein, il y a un numéro de téléphone qui s'est inscrit tout le long de cet entretien, ainsi qu'une adresse pour faire des dons. Et on rappelle rapidement que le secours populaire, c'est 28 points de distribution alimentaire sur l'ensemble du département. 35 familles, par exemple, toutes les après-midi dans les permanences à Bordeaux-Centre. 200 personnes en une semaine à Talence. Et pour encore là, nous donner quelques chiffres pour voir effectivement l'ampleur de vos actions. Merci en tout cas.
cas d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour cet appel lancé par le secours populaire qui a besoin de dons, mais aussi, vous l'avez dit, vous l'avez entendu, de matériel. Passons maintenant à une autre phase, cette fois davantage dans l'intimité des gens qui sont confinés avec, bien évidemment, les parents qui doivent depuis 3 semaines maintenant faire avec des enfants, 1, 2, 3, parfois plus, et des parents qui ont parfois du mal pour, si vous me passez l'expression, certains même pètent les plombs. Alors justement, pour ne pas en arriver là et pour vous faire aider, il y a une page Facebook sur Internet qui vous permet justement de pouvoir mieux supporter cette situation. La page Facebook s'appelle « Soutien Burnout Parental France » et c'est une psychothérapeute bordelaise qui l'a ouvert. Je l'ai joint au téléphone, elle s'appelle Myriam Cassin. Myriam Cassin, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de petites vidéos qui circulent, plutôt rigolotes, on va dire entre guillemets, avec des parents qui disent qu'ils n'en peuvent plus de leurs enfants. Mais au-delà de l'aspect un petit peu rigolo, vous dites attention, il y a un vrai danger. Et pour prof, donc, cette plateforme, vous parlez quasiment et carrément de burn-out. Absolument, le confinement est un vrai facteur de risque pour les violences faites aux enfants, mais également pour les montées de stress chez les parents, qui, parce qu'ils passent 24 heures sur 24 avec leurs enfants et parce qu'eux-mêmes sont stressés par le contexte général, peuvent être poussés à bout et beaucoup de parents témoignent de leurs difficultés à gérer leurs émotions et leurs violences verbales parfois. Est-ce que c'est anormal quand on est parent et qu'on est dans une telle situation parfois de se dire « j'en peux plus déjà » Non, c'est tout à fait adapté. Il faut même inviter les parents à reconnaître leurs émotions négatives, à pouvoir en parler aux enfants, pouvoir leur dire par exemple, eh bien, là je suis énervée, là je ne peux pas t'écouter, là j'en peux plus, là je suis angoissée. C'est un excellent exemple pour les enfants que de ne pas repousser les émotions négatives, de pouvoir les nommer, d'expliquer aux enfants ce qui se passe et surtout de leur expliquer que ça n'est pas à eux la cause de l'énervement ou de l'angoisse. Oui, donc c'est ça. Hein. Déjà, première chose, on peut peut-être déculpabiliser les parents et leur dire absolument. C'est normal si vous êtes énervé en ce moment parce que la situation provoque ça. Hein. Bien sûr, la situation est extrêmement angoissante puisqu'on est tous confrontés à une angoisse de mort et on est face à ce qui fait vraiment la condition humaine, hein. C'est-à-dire la finitude, la mort, l'inquiétude pour notre survie. En Alors, tout cas, très pour souvent. La survie de notre société. Très souvent, on imagine que les enfants sont au-dessus de tout ça, qu'ils ne se rendent pas compte. C'est aussi une erreur qu'on peut faire. Oui, parce que selon l'âge, les enfants ne peuvent pas avoir vraiment conscience de la mort quand ils sont très petits, en dessous de 4-5 ans. Par contre, ce sont de vraies éponges émotionnelles, donc ils peuvent parfaitement ressentir l'angoisse des parents. C'est pour ça que c'est important que les parents les sécurisent, leur dire que tant qu'ils sont à la maison avec eux, ils sont vraiment en sécurité. Par ailleurs, il faut maintenir les liens sociaux dont les enfants ont l'habitude. Faire en sorte, puisque les techniques le permettent aujourd'hui, qu'ils puissent entendre ou voir leurs copains par écran interposé. C'est très important que dans la journée, les enfants puissent avoir un rendez-vous avec les gens qui comptent pour eux en dehors de leur famille. Même chose pour les grands-parents d'ailleurs, hein, c'est très important. Donc il y a, on va dire, les parents dans une situation un peu exceptionnel. Et puis, il y a ceux qui sont quasiment et carrément, donc là, vous le dites, en burn-out. C'est à ce moment-là que vous intervenez. À partir de quel moment un parent doit s'inquiéter entre ce qui est un énervement classique et vraiment le burn-out? Quels sont les signes? Alors, il y a 4 signes très clairs. Le premier, c'est l'épuisement. Je suis épuisée psychologiquement, je suis épuisée physiquement. L'idée seule de m'occuper de mes enfants, mais plus encore davantage. Le deuxième point, c'est une forme de distance émotionnelle. Je vois que mes enfants sont en détresse, mais je ne peux pas aller vers eux parce que j'ai plus d'énergie pour le faire. Le troisième point, c'est un point très important. En général, c'est ce qui nous empêche d'être en burn-out parental. C'est le plaisir qu'on a avec nos enfants. Et en burn-out parental, on n'a plus aucun plaisir à être avec eux. Et en fait, le dernier point, très important également, c'est le contraste. Je ne me reconnais pas en tant que parent aujourd'hui. Je n'ai pas été un parent comme ça auparavant. Je suis un parent différent, je ne me reconnais pas. Voilà, parce qu'on a des parents qui ont toujours été maltraitants. On ne peut pas considérer qu'ils sont en burn-out parental. Donc le dernier point, qui est le point de contraste, est un point très important.
Donc si ces quatre points sont réunis, et si ça dure pendant plusieurs jours, et si déjà depuis au bout d'une semaine, 15 jours, vous êtes toujours dans le même état, il y a un risque de burn-out parental, effectivement. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez, notamment grâce à votre page Facebook. Quels sont les teneurs, on va dire, des témoignages et que vous recevez ou des demandes d'aide qui vous sont faites? Alors, d'abord, je voudrais dire que sur cette page-là, il y a à la fois des pères et des mères qui s'expriment. Et la plupart du temps, lorsqu'ils sont très inquiets, ils le sont face à l'incapacité qu'ils ont à gérer leur colère. Certains disent « je pète un câble, je deviens hystérique, je dis des choses que je ne pense pas ». Donc face à ça, on poste tous les jours des conseils pour aider les parents à réguler leurs émotions et à réguler l'hyperactivité de leurs enfants quand c'est nécessaire. Alors, vous donnez quand même quelques conseils. Concevoir un emploi du temps avec les enfants et pour chacun, faire des activités communes, créer un conseil de famille, créer des jeux autour des émotions et alléger aussi le programme scolaire. Ça, ce sont quelques éléments clés ? Oui, absolument. Ce sont des éléments fondamentaux. Le premier est vraiment l'emploi du temps. Un temps qui n'est pas structuré est un temps dont on a l'impression qu'il ne va jamais finir. Donc, pour les enfants, c'est encore pire que pour les parents. Donc, il est vraiment important qu'on se lève à une heure précise. Ça peut être beaucoup plus tard que d'habitude, bien sûr. Ça peut être différent le week-end également. Mais ensuite, il faut des repères, l'heure des repas et des activités. Des activités ludiques, des activités de lecture, etc. Donc, essayer de recréer une sorte d'emploi du temps ou avoir une to-do list, en tout cas, par exemple, dans la journée, pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport au temps qui file. Absolument. Et dans cette to-do list, pour reprendre votre expression, il est fondamental que chacun, en particulier les parents, ait un moment où ils peuvent se retrouver seuls, individuellement, pour pratiquer une activité qui va leur donner la possibilité de refaire un peu d'énergie. Est-ce qu'il y a là aussi des différences, on va dire, sociales ou d'ordre économique dans la difficulté d'aborder, quand on est parent, cette situation? Autrement dit, ça paraît simple à dire, mais est-ce que c'est plus facile, évidemment, d'avoir deux enfants à la maison dans un appartement ou une maison avec un jardin et 200 mètres carrés plutôt qu'être 5 ou 6 dans un appartement? Là, ça devient vraiment plus dur. Il y a vraiment là une fracture sociale? Alors, il y a sans doute une fracture sociale par rapport aux conditions de vie des gens et à la capacité à avoir accès, on le voit pour la scolarité, aux réseaux sociaux, par exemple. Par ailleurs, je ne voudrais pas laisser dire aussi que parce qu'on est dans une condition sociale difficile, on peut être des parents plus maltraitants que dans une classe sociale favorisée. Mais néanmoins, les conditions économiques et surtout les conditions de vie, les conditions situationnelles vont jouer un rôle évidemment déterminant. Ce n'est pas la même chose d'avoir deux enfants avec une maison de 200 mètres carrés et un jardin et d'être 4 sur 20 mètres carrés. Donc Mayim là aussi, Kassin, les conditions sociales vont jouer un rôle. Mme Kassin, très concrètement, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a réellement des enfants en danger? Oui, bien sûr. Ça, c'est évident, tous les spécialistes de protection de l'enfance le disent, dont je suis. D'abord, beaucoup d'enfants qui pouvaient être placés ou qui étaient signalés parce que les parents étaient déjà violents ont pu perdre actuellement la relation avec l'éducateur ou l'éducatrice référente. Et comme j'ai formé pas mal de personnes à la protection de l'enfance, beaucoup se tournent actuellement vers nous, à l'Institut Michel Montaigne, pour nous dire « je n'ai plus de contact avec les enfants, les parents ne répondent pas au téléphone et je suis très inquiète ou très inquiet pour ce qui se passe pour les enfants ». Oui, je pense que pour un certain nombre d'enfants, ça va aggraver la situation. Encore une question concernant effectivement cette page Facebook. Vous allez un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous ne faites pas que répondre aux questions des parents via cette page Facebook. Pour certains, lorsque la situation est critique, vous pouvez proposer de l'aide. Absolument. Donc pour les parents, là je parle des parents qui sont à risque de burn-out parental et qui pourraient se dire qu'ils sont prêts à passer à l'acte, que ce soit verbalement ou physiquement, qu'ils n'hésitent pas à mettre un message sur la page Facebook et en message privé, on essaie de les joindre. De la même façon, ils peuvent nous appeler à l'Institut Michel Montaigne. On a une permanence téléphonique et pour les parents en danger, ils seront rappelés par une des psychothérapeutes, psychologues de l'Institut Michel Montaigne.
Pour terminer, le dernier conseil, le conseil principal que vous pourriez donner aux parents qui nous regardent et qui sont effectivement en difficulté avec cette situation particulière, coincée entre guillemets avec leurs enfants ? Gardez en tête que le confinement aura une fin. Ne faites pas comme si nous étions partis pour des mois et des mois. Essayez de profiter de cette situation pour vous rapprocher de vos enfants. Ça peut être une opportunité pour passer du temps, les dorloter, faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire avec eux. Et faites-vous confiance. Et pour terminer, donc, on va rappeler, bien sûr, l'adresse Facebook de cette page qui pourra vous aider. C'est Soutien Burnout Parental France. Soutien Burnout Parental France. Merci. Merci. Voilà, certainement une adresse qui sera utile à pas mal de personnes. Avant de revenir sur un challenge sportif un peu fou qui sera lancé à partir de demain par un coach bordelais, nous verrons pourquoi et ce qu'il va faire dans un instant. Mais tout de suite, lançons la course contre la montre. Et oui, course contre la montre, c'est donc la plateforme qui a été lancée il y a quelques jours maintenant par le Sud-Ouest et donc qui a pour but de mettre en relation les consommateurs, mais aussi avec des commerçants, des producteurs, des artisans. L'idée est de pouvoir permettre des livraisons, mais aussi à s'engager, pourquoi pas, sur un partenariat avec des bons de commande ou des invitations avec des rabais une fois que le confinement sera fini. Mais pour en savoir davantage, regardez, Dominique Parmonti vous explique tout. Activités touristiques à l'arrêt, bars et commerces fermés, comme partout à Bordeaux, la place Caillou, habituellement grouillante de monde à cette période, est déserte. Obligé de fermer brutalement, ce biériste, à la fois bar à bière et cave, a perdu 63% de son chiffre d'affaires au mois de mars. Et même s'il pourra bénéficier d'aide de l'État, il essaie de compenser les pertes en poursuivant les livraisons à domicile, d'abord via ses réseaux sociaux. Il est l'un des premiers à s'être inscrit sur la nouvelle plateforme que vient de lancer Sud-Ouest. Alors, cette nouvelle plateforme permet d'avoir de la visibilité par rapport aux gens qui ne connaissent pas forcément la biéristerie. Elle permet de proposer davantage d'options, d'être déjà, c'est un site internet. Moi, c'est juste un partage, j'envoie un lien, c'est un fichier Excel tout bête. J'ai pas de site de boutique en ligne. Donc là, ça donne déjà, il y a des photos, etc. On peut parler un peu de ce qu'on fait et puis proposer différentes offres. Alors, Course contre la montre, ça fait partie des nombreuses initiatives qu'on a prises à Sud-Ouest pour continuer à être utile à nos communautés locales, hein, tout simplement sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Course contre la montre, c'est une initiative solidaire pour venir en aide aux producteurs, aux commerçants, aux artisans, pour soutenir leur trésorerie pendant cette période difficile, aussi pour déstocker pour ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une plateforme Internet qui permet la mise en relation entre des offres de producteurs, d'artisans, de commerçants, des bons d'achat ou des produits, et puis des clients, nos lecteurs. Une plateforme gratuite qui s'adresse également aux commerces autorisés à ouvrir pendant cette période de confinement, mais qui souffrent aussi. C'est le cas de ce marchand et réparateur de vélos de la place Stalingrad qui a dû mettre ses deux employés au chômage. À part quelques soignants ou autres rares professionnels en activité, il ne voit quasiment aucun client. Il faut reconnaître qu'on ne voit plus beaucoup de vélos aujourd'hui dans les rues de Bordeaux, même sur le pont de pierre méconnaissable. Normalement, nous n'avons pas droit au chômage partiel pour nos salariés. Sauf si on fait la démonstration que malgré tous nos efforts possibles, nous avons une activité qui est réduite quasiment à néant, ce qui est le cas. Alors cette plateforme, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. L'intérêt pour le magasin, bien sûr, c'est d'essayer d'informer les clients qui ont encore besoin de rouler avec leur vélo sur le fait que nous sommes encore ouverts et qu'on peut les dépanner, essayer de capter encore un petit peu d'activité et puis surtout de faciliter le redémarrage en donnant de la visibilité supplémentaire à notre magasin. La plateforme permet en effet de mettre en lien direct le consommateur avec le fournisseur. À ce jour, 250 enseignes se sont déjà inscrites et le site a enregistré plus de 24 000 sessions. Voilà, et tous les soirs, nous vous présenterons un commerçant, un artisan ou un agriculteur qui fait partie de cette plateforme. Tiens, par exemple, regardez un petit peu, nous allons nous projeter et nous transporter tout de suite dans la forêt de la Double, c'est en Dordogne. Et là, c'est Pierre-Paul Grondin qui lui est berger, qui nous parle de son produit, l'agneau pastoral. Et il est justement sur cette plateforme, regardez.
Alors, bah, moi, je suis berger, berger sans terre, dans la forêt de la Double, en Dordogne. Voilà. Et voilà, c'est ça, mon métier. Voilà, avec mes moutons. Et pourquoi être sur course contre la montre? C'est pour de la visibilité, parce que voilà, moi, je suis un peu au milieu de la forêt et mon travail, c'est tout le temps être dans la forêt et dans les prairies avec les moutons. Et disons qu'au niveau communication, on n'a pas trop grand-chose, mis à part les réseaux sociaux par-ci, par-là, mais c'est tout, quoi. Bah, c'est un peu plus dur, oui, parce que les gens, ils sont un peu réticents à commander des choses qui viennent de l'extérieur, ne serait-ce que déjà pour aller dans les supermarchés, déjà, c'est compliqué. Alors, pour, voilà, pour aller à des endroits un peu inconnus ou pour acheter des produits de gens qui ne connaissent pas forcément, ça peut être un peu compliqué. Et là, en ce moment, c'est un peu compliqué, même ne serait-ce qu'au niveau du système de production, hein, c'est au ralenti. Hein, les abattoirs, c'est compliqué. Les bouchers, c'est compliqué. Donc voilà, ça tourne beaucoup en ralenti à cause de ce virus. Et voilà, nous aussi, on en prend un coup aussi. Là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Moi, je fais quelque chose sur une plateforme. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais ce que j'aimerais bien, c'est que ça facilite un petit peu le rapprochement entre le producteur et le consommateur. C'est une sorte de circuit court interactif, on va dire. Ce serait ça l'idéal, c'est que ce serait, on va dire, un véritable marché accessible sur Internet. Voilà. Voilà, et pour en savoir davantage sur l'agneau pastoral de Pierre-Paul Grondin que l'on vient de voir, bien rendez-vous donc sur la plateforme Course contre la montre. N'hésitez pas, bien évidemment. Et demain, nous parlerons, vous le verrez, de citron pressé. Eh oui. Passons maintenant à un challenge un peu fou. C'est un Bordelais, les coachs sportifs. Et il s'est dit, tiens, j'ai l'intention de faire 1000 tractions à partir de demain, 17h30, le plus de tractions possible. Son objectif, donc, c'est 1000, mais tout ça pour une association. Alors, le challenge et l'initiative peut paraître un peu étonnante. C'est pour ça que j'ai voulu en savoir davantage. Et c'est Aurélien Labru, dans son garage, là où il est confiné et là où il va réaliser son exploit, qui m'a répondu. Aurélien Labru, bonsoir. Bonsoir. Demain, à la même heure, vous ne serez pas tranquille en train de nous parler. Vous serez en train de suer sang et eau parce que vous avez donc ce pari de 1000 tractions. Pourquoi ? Alors, pourquoi je me suis lancé dans les défis des 1000 tractions ? Tout simplement parce que ça me tenait à cœur de réaliser ce challenge-là pour les mécénats, mécénats cardiaques. Donc, une association qui aide les enfants des pays défavorisés pour faire des chirurgies vraiment très lourdes au niveau du cœur. Et donc, je me suis dit comment moi, à mon niveau, je peux contribuer pour cette association-là, donc en réalisant voilà, un challenge pour récolter des dons pour aider les enfants défavorisés. Donc, vous êtes confiné, vous retrouvez oui. Donc chez vous, dans votre garage, vous êtes coach sportif. Alors forcément, confiné et coach sportif, ça ne va pas forcément très bien l'un avec l'autre. Cela dit, on va voir, vous avez aménagé votre garage. Hein. Alors les tractions d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, celles et ceux qui ne sont pas forcément sportifs ne le savent pas de façon évidente. Alors, les tractions, c'est un mouvement de base de gymnastique où en fait on va se suspendre à la barre en s'accrochant avec les mains et en fait on va devoir monter le menton au-dessus de la barre. Donc c'est un exercice de force qui est énormément utilisé dans tout ce qui est préparation militaire pour les pompiers, gendarmerie, police, ce genre de choses. Et donc c'est ce que je vais réaliser comme mouvement. Et ce que je vais faire en fait, c'est qu'au lieu de faire des tractions strictes, c'est-à-dire de ne pas utiliser les jambes et la hanche, je vais utiliser les jambes et la hanche pour m'aider à me propulser pour faire ma traction, pour aller le plus rapidement possible faire les 1000 tractions. Alors, montrez-nous un petit peu là où ça va se passer, parce que on est curieux de voir. Montrez-nous là. Voilà, donc c'est ici, hein, dans votre garage. Donc ça, c'est ce qui vous... C'est à ça que vous allez vous accrocher pendant quoi, à peu près 2 heures, 2 heures et demie? Ça va durer combien de temps l'histoire là?
Alors, j'ai calculé à raison de 6 tractions par minute, ça devrait faire à peu près 2h46 de traction. Alors, revenez vers nous maintenant. Oui. Hop, on va changer la caméra de sens. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, quel est le rapport entre vos tractions et le don pour cette association? Comment ça marche? En fait, je vais donc demain à 17h30, le 8 avril, le jour de mon anniversaire. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la date du 8 avril. Au lieu de recevoir des cadeaux, ben, c'est moi qui vais en donner. Donc, je vais mettre donc, un lien sur ma bio Instagram et je vais faire aussi un live pour pouvoir récolter des dons pendant le challenge. Donc, c'est ma femme et mon frère qui vont filmer voilà, le challenge. Et pendant les 2h46 du challenge, et ben, on fera des appels aux dons, des appels à l'action. Voilà, donc moi, si je veux vous soutenir, il y a une adresse en bas, hein, c'est valetducoeur.mécénat-cardiaque.org, projet, etc. Vous le voyez, ça s'affiche sur votre écran. Oui. Donc ça, c'est pour les dons. Et donc, vous avez aussi des pages, j'imagine, sur les réseaux sociaux. On pourra vous suivre. C'est quoi cette idée de vous faire mal le jour de votre anniversaire là? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, j'ai une particularité, c'est que... je coach énormément de jeunes pour la préparation pour les militaires, pompiers, forces spéciales et tout ça. Et donc, une fois par mois, en règle générale, je mets des gros challenges, comme par exemple faire des marches en pleine nuit avec un sac à dos de 30 kilos sur 20 kilomètres, ou faire 1000 burpees. Enfin bref, les burpees, c'est un mouvement avancé de gymnastique. Et donc, je me suis dit, bah, vu que c'est le confinement et que l'association me parle beaucoup, parce qu'en fait, j'ai un enfant qui a presque 3 ans, qui s'appelle Théo, qui a aussi un problème cardiaque, mais bon. Par chance, on va dire, il n'a rien de grave. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas voilà, aider une association dans le besoin, voilà, en apportant mes compétences. Voilà. Et puis, j'imagine aussi, quand on est coach sportif et qu'on est confiné, c'est un moyen de se maintenir en forme. Hein, c'est important. Bon, oui, en tout cas, vous l'avez compris, hein, si vous voulez suivre l'exploit d'Aurélien Labru, eh bien, n'hésitez pas. Si vous voulez faire aussi un don à cette association, n'hésitez pas non plus. Alors, on peut vous souhaiter un bon anniversaire, non, quand même pas? Oui, c'est ça. Demain, ce sera mon anniversaire. En bon, je vais m'en souvenir toute ma vie. Oui, sacré cadeau, en tout cas. Et puis, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, et puis bien sûr, nous vous donnerons des nouvelles d'Aurélien, puisqu'il s'est promis, il nous a promis notamment de nous envoyer des vidéos de son exploit. J'ai refait le calcul hein, quand même, ça fait une traction toutes les 10 secondes. Hein, voilà. Donc il va falloir tenir le rythme. Rapidement, un coup d'œil sur ce qui vous attend ce soir également. À 20h, il est passé par la station Ozone, Alain Damasio, l'un des plus grands auteurs de science-fiction actuellement en France. Et puis demain, ne ratez pas entre... À partir de 11h, dans nos programmes éducatifs et pédagogiques, nous parlerons notamment dans l'esprit sorcier des exosquelettes et perso, pour mon anniversaire. Je préfère encore le challenge de souffler sur un gâteau plutôt que de faire des tractions. Ça me semble plus raisonnable. Il est avec nous, Patrick. Oui, il est là. Patrick Legac. C'est dingue, hein, ces gens qui se lancent des paris, des challenges complètement fous comme ça. Une traction toutes les 10 secondes pendant 2h40. Ça laisse rêveur, hein. Bah, il faut surtout qu'on s'y mette, mon gars, parce que sinon, on est foutu. Moi, Bastien, les tractions, pour moi, c'est des voitures fabriquées par Citroën pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ah oui, d'accord, quand même. D'accord. Bon, on va parler musique maintenant. Alors là, on fait le grand écart. Hein. On va mixer ce soir. Hein. On va mixer avec notre ami DJ Yanis. Ça se confine en live, qui va faire sa fête à la table de mixage, de célébrer les platines. On va chanter les dieux de l'enchaînement tempo avec un mix funk à l'ancienne signé du DJ producteur bordelais Yanis Texier, un DJ atypique et surprenant, dont le nom est souvent associé à des événements prestigieux en France et à l'étranger, des résidences dans les clubs où il a côtoyé les plus grands DJ comme Bastien Loquet, David Guetta, Antoine Camaran ou Martin Solveig. Il a également animé pendant 15 ans les fins d'après-midi à la radio sur Énergie Bordeaux. Son truc à lui, c'est le mélange en revisitant l'histoire des plus grands titres à danser, soul, disco, pop, new wave, electro house. Il peut même être accompagné durant son set par des musiciens comme des saxophonistes ou des percussionnistes. Et alors, le mix que nous propose Yanis, c'est comme un tribute aux belles années de la black music, entre autres. Voici Yanis Texier chez lui dans Ça se confine en live sur TV7.
At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Bastien, tu ondules très bien ton corps. Bon, alors là, si vous continuez comme ça, Patrick, je vais demander qu'on installe une boule à facettes dans ce studio là, parce que c'est logique. L'ambiance est top. On n'a pas le choix. Et d'ailleurs, il faudra que vous veniez ici, mais à nous faire une démonstration. De mix ou de danse? De danse. Non. De mix, oui. De danse, non. Non. Pas de traction, pas de danse. Qu'est-ce qui se passe? Je peux mixer pour vous. Savez-vous, cher Bastien, que j'ai commencé à être DJ en 1983-84. Ah oui. Eh ouais, monsieur. Un peu de respect pour les vieilles personnes. Alors voilà. Alors, vous appelez les uns et les autres à vous envoyer des vidéos que nous passerions dans votre rubrique Ça se confine en live pour vous faire mieux supporter cette situation. Eh bien, Patrick, j'aimerais qu'à votre tour, vous nous fassiez un petit mix que nous passerions dans votre émission présentée par vous-même en écoutant vous-même. Je vais y réfléchir. En attendant, demain... Ah non, c'est ça, non, s'il vous plaît, allez. Mais j'ai plus de matériel. Allons. Bon, on va se débrouiller. S'il vous plaît. Bon, demain mercredi, deux guitares plus une basse plus trois chanteurs. Rendez-vous avec les Corona Sessions du trio The Great Shakes. C'est le nouveau projet du plus anglais des Arcachonnais, Marc Brenner. Donc demain. Allez-y, envoyez-nous vos vidéos. Très franchement, on en a de plus en plus. Il y a des morceaux qui sont vraiment excellents, ouais, n'hésitez pas. Vous avez du talent. Comment? Je dis, vous, les Néo-Aquitains, vous avez du talent. Oui, c'est vrai. Donc, allez-y, envoyez-nous vos vidéos. On a pas mal eu de mix.
En revanche, ce qui vous attend ce soir côté concert à 23h, ça n'a rien à voir. Si je vous dis Black Rebel Motorcycle Club, ça vous parle ? Ah, c'est bien. Ah, voilà. Ah, oui. Eh ben, c'est ce soir à 23h et ça dépote. Bon, faut aimer le rock'n'roll, d'accord ? Mais ça tombe bien. Franchement, c'est du... Merci Patrick, on se dit à demain. À demain. Allez, à demain. Et puis tout de suite, les prévisions météo. Et bien sûr, continuez à nous envoyer vos vidéos, nous faire part de vos questions. Demain, Dominique Parmentier sera avec nous sur ce plateau pour y répondre. Et bien évidemment, portez-vous bien. Bonne soirée.